Hey, coucou à tous et bienvenue pour la saison 2 de Destiny, épisode 0. Pourquoi épisode 0 ? Puisque aujourd'hui on va faire la transition entre le dernier épisode de la saison 1 et le premier épisode de la saison 2. C'est-à-dire que comme Daphné a été élue par la roue magique en tant qu'héritière, eh bien elle doit grandir puisqu'elle était à peine devenue ado. Donc il y a la période d'adolescence qui doit avancer. En tout cas, j'ai continué à jouer et à filmer et en même temps, je vous mets un petit peu le résumé de ce qui s'est passé avant de se rejoindre quelques jours avant son anniversaire pour pouvoir commencer doucement et sûrement sa jolie vie de jeune adulte. C'est parti. Daphné est entrée au lycée. Et sa classe est plutôt remplie. Elle a fait connaissance plusieurs fois, mais restait bien concentrée en cours. Et elle a refait connaissance. Alors qu'à la maison, Alexandre clamait son amour à Amélie, il s'est soudain agenouillé pour la demander en mariage. Et elle a dit oui! Mais ça reste plutôt studieux pour les grands enfants. Bon, un matin, une triste nouvelle est arrivée. Sophie était partie au ciel. Anémone en a pleuré pendant 2 jours. Mais comme on dit, la vie continue d'avancer. Et ce fut l'anniversaire de Bleuet qui devenait jeune adulte. Il en profita pour draguer son coup de cœur, Célia. Et on peut dire que c'était plutôt réciproque. Doronique aussi avait grandi et en plutôt bien. Il fallait bien immortaliser les jumeaux ensemble, on est d'accord. Oups, on a un peu raté l'anniversaire de Camélia, au fait. Qui est devenue jeune adulte aussi. Et elle a plutôt mal pris. Puis est venu le jour du mariage d'Alex et de sa femme Amélie. Une superbe cérémonie. Sans oublier de parler de la fête après le mariage, bien sûr. Bleuet avait invité Célia et ça se passait bien. Très très bien, même. Alexandre a déménagé pour rejoindre sa femme. Et il ne restait que nous. Bleuet a revu Célia et c'était chaud. Très très chaud. Et elle a très très vite emménagé dans la maison avec nous. Puis ce fut la remise de diplôme de Bleu et Camélia. Pendant ce temps-là, Daphné restait plutôt solo. Enfin, on peut vous présenter Valérian, non? Quelques bêtises plus tard, on a revu Gabriel, qui est passé par la Turquie. Camélia a revu un certain Guillaume. Et Daphné, ce Valérian. Camélia Guillaume, c'est fait. Et dans le lit de son frère en plus. Quelle honte. N'importe quel moment reste le meilleur moment. Et ça a donné des idées à Bleuet, hein. Et vive les fiancés. Anémone est retournée voir la maison de ses parents. What the fuck, Gabriel? Qu'est-ce que c'est que tous ces chiens? Et Daphné a l'air d'avoir un crush. Oh, comme ça fait plaisir de revoir cette petite maison. Peut-être d'ailleurs pour la dernière fois. Notre belle Anémone est la première levée. Ouh là là! Mais c'est qu'elle pue en plus! Mais quelle honte! Et t'en profites pour faire un peu le petit-déj? Oh bah excuse-moi, je pensais que ça te ferait plaisir de faire à manger pour la famille. Bah voilà, un petit déjeuner en famille, avec de l'amour. Et puis Célia, hein, qui a rejoint la maisonnée. Oh oh! Valérian qui appelle!
Daphné, c'est moi, Valérie, voudrais-tu aller à la rencard avec moi? Oh my god! Mais bien sûr qu'on va dire oui. Bon, il est le rencard de 9h du matin, c'est un peu bizarre, mais à fond, on y va, mais de ouf. Et les voilà! Tout beau, tout frais, tout amoureux. Oh là là, il en peut plus, hein. Ah ouais, non, mais ils peuvent directement s'embrasser, hein. C'est un rencard. Voilà. Arrête de faire la gueule, Daphné! S'il te plaît. Ah, bon alors, que dire? Ce soir, c'est aussi le bal de promo. Donc, ce serait cool qu'il t'invite. Tu l'invites, en fait. Ce serait bien que lui le fasse, mais c'est pas grave, sinon. Girl Power, hein, elle peut le faire aussi. Hein. Regardez où ils sont. C'est super cute, super mignon. Voilà, toujours au jardin. Oh, alors, il t'invite quand? Quand même. Qui celle-là? Tu vas pas me dire qu'elle va squatter chez nous parler? Si, mais dégage, en fait, madame. On veut pas te voir? Oh putain, les poils! Wesh! C'est dégueulasse! Bon, il va falloir qu'on aille accélérer là, ma petite. Hein. Voilà, un petit bisou. Tu lui fais comprendre que. Bah oui, non mais mec, vas-y. Invite-la un peu là. Vous êtes à fond là. Embrasser le cou, tout ça là. Allez, on accélère. Mais bon, là, ils sont tous les deux en joueur. Mais il y en a encore un qui vient squatter la conversation! Oh merde, elle commence à puer en plus. Ça va pas du tout. Attends! Valérie, on revient! Reviens! Oui, je sais, elle sent mauvais, c'est pas grave. Allez, viens! Terrible. Regarde, elle t'offre une fleur pour que ça sente mieux. Allez. On va peut-être enlacer. Alors, je veux pas forcément faire un premier baiser tout de suite, mais on va l'inviter au bal de promo. Ah, mais! What? Pile quand j'allais le faire, il le fait. Oh là 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 là, mais bien sûr, mon chéri. Mais bien sûr! Mais bien sûr! Ça, c'est good. Il l'a fait comme moi. C'est génial. Ah, les Sims, c'est parfait. Ouais, c'est pas tout, mon petit, mais on se retrouve tout à l'heure pour le bal. Elle va se faire belle. Excusez-moi, la salle de bain va être maintenant squattée par notre belle Daphné, parce qu'elle a son bal de promo avec son amoureux. Donc voilà, c'est priorité à elle, point barre. Ça commence par un bon bain aux pétales de rose et au masque hydratant à l'argile et aux concombres sur les yeux, évidemment. Quoi, Némon, tu pleures dans ton lit, là? J'ai pas compris. T'as aucune moodlette de tristesse? Oh, pas bien. Ensuite, on s'améliore la peau et sa tenue. Et on se fait toute belle. Encore plus, du moins. Ah! Elle se fait inviter, Manon. Cric du teckel. Je vois pas qui c'est. On va choisir des amis, hein. Valérian, quoi, je veux dire. Allez, go! C'est parti! Une pré-fête de promo. C'est trop bien. Ah bah super, la fête de promo, quand il n'y a rien. Et t'as des vieux tout nus. Non, mais what? Non, non, ça va pas. Bon, il y a au moins sa pote. Quoi? Mais il y en a qui pètent! Mais wesh! C'est quoi ce délire? Mais quel enfer! Ça pue et tout. Non, mais ouais. Non, mais on est où? Allez, c'est pool party, beach party. Ah, on peut pas. C'est pas grave, on va tous aller là. C'est vieux parce qu'il n'y a pas de maison. Il y a des vieux à poil. Il y a des gens qui pètent. Ça, c'est merveilleux. Ouais, et super votre partie, hein. Super. Il y en a, ils sont bien colères aussi. Allez, on va faire des sculptures de sable parce qu'on a que ça à foutre pour une préfète. Il n'y a personne qui parle, il y a zéro ambiance, c'est génial. On dirait plus qu'ils sont en train de s'enterrer les uns les autres. N'importe quoi. Bon, il y en a un qui se fait vraiment enterrer, hein. C'est lui. Ah, on retrouve son petit amoureux. Ah là là. Oh là là, carrément, les bisous dans le cou et tout. Eh, quoi, c'est choquant, madame? Vous avez jamais vu une fille et une jeune fille faire ça, un jeune garçon? Prends les devants, au moins. Je crois que c'est à 19h, le truc, non? On va le laisser se remettre de ses émotions, parce que là, il doit pisser à mort, et nous, on va rentrer rapidement aussi. Manger un petit creux, là, un petit truc pour se remonter un peu. Et puis, il va être l'heure bientôt, hein. Bon, voilà, pas le temps! Le bal de promo! Oui, on va y aller avec Daphné! Yes! Et Valérian, bien sûr. Youhou! Bon, il pleut, tout le monde rentre. Ah, elle a mis sa belle robe comme ça. Parfait. Ouh! Allez, go! Il est où ton amoureux? Où est ton amoureux? Ah, non, ils se sont bien habillés et tout! Ça fait plaisir. Je l'ai trouvé, il est là. Et il danse déjà. Coucou! Viens, on va danser avec lui. Ah non, il y en a, ils sont classe quand même. Il y en a, bon, ils ont un sens bizarre de l'élégance. N'est-ce pas, mademoiselle? Mais ça va. Oh, il y a Doronique! Doronique! Eh, magnifique boucle d'oreille, mon gars.
Magnifique. Oh là là, ça commence, hein. Trop mignon. Vous pouvez danser? Mais regardez-les comme ils sont chouchous. Eh, t'as vu comment je suis belle gosse, t'as vu? J'ai sorti ma belle robe et tout, là. Oh, tu es magnifique, ma chérie. Oh, oh, oh! C'est le premier baiser! Oh, je suis contente pour toi, Daphné. C'est l'amour. C'est le baiser passionné. C'est ton petit ami. Oh, ils sont petits amis. Merveilleux. Oh, ils sont trop choux. Mais on va voter pour... Alors, le roi ou la reine, on va voter pour lui, bien sûr. Et le bouffon... Le... Oh, Doronique en bouffon, ça pourrait être rigolo. Hein. Allez, oh. C'est parti, on va voter. Adjugé, c'est vendu. Le roi, c'est forcément notre chérie. J'aimerais bien qu'elle soit reine aussi, mais bon, ça marche pas comme ça. Ah, il y a déjà quelqu'un qui vote pour le bouffon. Bon, bah tant pis. Oh oui, il y a truc de photo. Faire une photo en étant joleuse. Ah, ça va être maintenant? Ah non, ça va être maintenant. C'est trop rapide, leur histoire. Hein. Ça va trop vite. Alors, ça y est? Ah, écoutez-moi tous, nous avons des résultats d'une section du cours de balle de promo. J'ai le plaisir de vous annoncer que les vainqueurs sont Valérian et Bouffon Daphné. Mais non! Mais non, pourquoi elle récupère le truc de bouffonne? Bah, tu me diras, elle est sur le... Ah mon dieu, ça l'a rasé la tête à lui. Oh, mais quel... c'est n'importe quoi. Mais non, bah, au moins, elle est élue. Hein. C'est génial, c'est beaucoup trop drôle. Je m'y attendais pas, merci le jeu. Oh là là, ils se font des bisous devant tout le monde. Wesh, allez fêter ça. Puis après, vous ferez une photo, hein, parce que maintenant que vous êtes élu roi et reine... Enfin, roi et reine. Roi et bouffonne, s'il vous plaît. C'est n'importe quoi. Pourquoi ils sont tous là en train de dire « Ouais, super, vous allez prendre une photo, ouais, le bouffon !» Eh, mais ils sont à fond, hein, ils nous kiffent, hein. Ah, vite, avant que ça se termine et que ça dépop de partout, là. Bon, bah voilà, hein, échec de balle de promo. Trop bête, la loose. Bah voilà, truc qui dure 4 heures, ça passe beaucoup trop vite, on a le temps de rien faire du tout. Continuons cette fête, veux-tu venir à l'after? Ah bah je viens, mais avec mon amoureux. Espérons que ce soit pas à la jetée, parce que... Enfin, à la fête foraine, parce que c'est vide. On est bien à la fête foraine. Il est vide comme ma vie sentimentale. Alors, prends une photo avec romantique Valérian. Ouais, allez-y, ça va être bon là, au niveau de la photo, non? Finaise, il y a 5 clampins pour l'after, c'est nul à chier. Ah bah dis donc, c'est compliqué à faire une photo en couple, hein. Très compliqué. On y est enfin. On y est enfin, mon dieu, mon dieu. Terrible. Bon, j'en profite, hein, qu'ils sont encore avec les chapeaux et tout. Pour faire quelques photos sympathiques, on les regardera plus tard. Il y en a quelques-unes. Ah, et en plus, il y en a qui sont en double et tout. Bah, ça peut être marrant. Bon, là, du coup, ils vont pas faire de photos, mais... Voilà, balle de promo quoi, hein? Allez, zou! Wouh! Wouh! Baby! Rock and roll! Ouais, c'est de la merde. Ah, dis donc! C'est du sacré bécotage ça, mes salauds! Ah, oh, bah ils ont perdu leur chapeau! C'est pas grave, vous pouvez faire une photo romantique à deux quand même. Hein. Vous êtes des petits amoureux maintenant, hein. Destinés à vous! Pas à faire des bébés, mais on sait pas encore combien et on sait pas ce qui va vous arriver. Mais vous non plus, nous non plus, c'est ça qui est beau. Allez, les petits amoureux, il est quand même 3h du matin. On va dire que ça s'est très très bien passé, ce bal de promo en plus. Mais mieux que ce que j'aurais espéré. Mais on a encore des choses à faire. Allez, ciao. Bah, moi qui pensais qu'elle allait rentrer en catimini sans se faire voir, bah non, pas du tout. Hein. Il y a tout le monde qui est encore levé. C'est une honte. Tout le monde l'attend. Alors, ton bal de promo, ça s'est bien passé ou pas? Bon, faut vous coucher là quand même. Eh, mais dis donc, Célia, tu nous as pas dit? Célia, ton petit bébou avec Bleuet. Ah, la chanceuse. C'est l'été. Oh, au fait, Anémone, vous allez être grand-mère. Oh, c'est pas vrai, ça, Perlipopette, c'est incroyable. Et en plus, ils vont se marier. Et ça, c'est fou. Ah, ah, qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Oh oui, si tu veux, on est meilleurs amis, oui. Si tu veux. Ah mince, du coup, elle est plus meilleure amie avec son frère. Oh zut, j'avais oublié cette histoire. Bon, ça va, Valérian, t'as bien dormi? C'est la saison des amours, hein. Ça y est, ah bah, il est malade, lui. Oh là là, regarde ta petite sœur.
Et t'as pas l'air content. Ah oui, si, tu vas être papa. Oh. Chacun son délire. Hein. Bon, c'est pas tout ça, hein, mon bleuet. Mais je pense qu'on peut dire qu'il est temps de te marier, non? Allez, c'est parti. It is now. C'est le mariage de bleuet. Oh là, déjà la mariée ne se sent pas bien. Oh, j'ai oublié l'anniversaire d'Anémone. Oh no, Anémone. Oh, mais ça lui va bien. Ça lui va. Iowa. Iowa est tout vieux. Ah, ça va faire mal, ça. Yann Ben, notre belle Jaya, qui est la femme d'Adonis, hein. Le frère d'Anémone. Ouais, non, mais ça fait déjà du monde, hein. Ah, ils arrivent, les mariés. Ils arrivent. C'est parti. Ils remontent l'allée, ils la descendent, ou je ne sais pas ce qu'ils font. Les amoureux, les héros du jour, vont se marier dans cette jolie petite église que vous connaissez. Eh oui. La mariée est grippée, mais on s'en fout. En plus, ça va lui gerber dessus parce qu'elle est enceinte. Ah, dis donc, eh. Oh là là, c'est tout émotionné qu'ils sont derrière. Ça va, Iowa? Oh, Iowa, il est content. Ça y est, c'est l'heure des bagues. Oh, elle te va si bien et elle est faite sur mesure, comme une chaussure de cristal faite pour toi. Oh, toi aussi, mon chéri, regarde, t'en avais déjà une, je t'en mets une deuxième. Oh, vous êtes beau. Oh là là, c'est l'amour. Bravo, les enfants. Ils sont mariés. Eh, maintenant, c'est la fête. La nuit tombe déjà, l'ambiance est un peu morte, hein, ce qui manque le DJ, le barman. Mais ils arrivent, vous inquiétez pas, on les a appelés. Ça fait du bien quand même, il y a du monde et tout. La mariée avec sa famille, le marié avec sa famille aussi, c'est sympa. Mais c'est Diane la barman. Mais lol, trop drôle. Il va se passer une dinguerie. Ça lui a donné des envies à notre belle camélia avec Guillaume. Son promis, son destiné. Un petit rouquin pour le coup. Ah, le DJ est arrivé. Et il se marie. Le jour du mariage de son frère, bah oui, tant qu'à faire. Oh, regardez, ils sont trop mignons, tous. Oh là là. Allez, go pour la première danse, là. Et eux, ils se marient. C'est beau. C'est la saison des amours, la saison des mariages. Et puis après, il y aura la saison des bébés. Heureusement, je m'en occuperai pas de tous. Ils sont beaux. Ils sont très beaux. Oui, il échange. Bravo. Double mariage. Incroyable. Pour l'instant, Guillaume va rejoindre notre famille, puis ils partiront aussi de leur côté pour laisser la place à la future génération de bleuets. Voilà. Et eux aussi qui sont mignons. Oh là là. Trop chouchou. Ouais, c'est la fête. Ouais. Oh, Anémone, hein, ça fait bizarre. Hein. Mais bon, c'est plus sa saison maintenant, c'est celle de Daphné. Et ça fait plaisir aussi de commencer comme ça sur une petite fête. Avant de passer à d'autres réjouissances. Oh la tristesse, Iowa s'est endormi dans le banc, sur le banc, ah, loin de la fête. Ah ouais, il est vieux. Oh, mon Dieu, dire qu'il va mourir, ça va être terrible. Oh. Bon, par contre, il se fait quand même presque 3h du matin. Oh. Et bon, il y a école, il y a boulot, quoi. Demain, donc on va peut-être mettre fin au mariage aussi. Voilà. Aïe, 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 ça va être déjà l'heure des cours pour Daphné. Qui n'a pas vraiment récupéré de sa nuit, la pauvre. On va la laisser aller au lycée toute seule comme une grande fille. De toute façon, elle saura se gérer là-bas. Allez, tu te lèves. Je pense que c'est sa dernière journée de cours. Elle n'a pas trop envie d'y aller parce qu'elle va devenir jeune adulte. Ah, bah carrément, même on a zéro. Donc oui, c'est parfait. Hein. C'est parfait, c'est just in time, quoi. Et le bidou de Célia est presque en train d'exploser. J'ai fait partir Camélia et Guillaume, hein, comme prévu. Je les ai installés dans l'ancien appartement d'Anémone à Saint-Michuno. Et ouais, comme quoi, la vie est quand même un petit cercle concentrique. Bon, ils n'ont pas de meubles, mais au moins ils ont un toit. C'est déjà ça. Oh, Anémone, j'ai oublié que tu devais aller bosser. Oh, notre vieille Anémone. Oh non. Je vais peut-être lui faire prendre sa retraite. Ouais, quand même. Et notre vieil Antonin. Hein, qu'est-ce qui devient, vieil Antonin? Ah. Ben, Antonin, nombre vécu 213.
C'est quand même gigantesque, mon gars, t'as 213 jours 213 ans C'est pas possible, il y a un bug dans la matrice. Bon, bah, il arrive quand même à la fin de sa jauge, quoi. Donc, voilà. Et elle a encore une augmentation, Anémone. Mais elle gagne trop bien sa vie, hein. Mais bon, tu vas prendre ta retraite, ma cocotte. Hein. Je pense qu'il est temps, quand même. Hein. Oui, elle prend sa retraite. Ouais, elle a deux retraites à prendre, en fait. Hein, mais parce qu'elle gagne bien, maintenant. Elle est trop vieille. Faut qu'elle profite. Voilà. Allez, pour Antonin aussi, c'est l'heure de la retraite. Bien mérité. Voilà. Eh bien. Et Daphné de retour. Ok. Un projet scolaire. Ouais, mais non. Et elle est colère. Non, ça ne va pas. D'accord, super. Bah, tu vas être calmée tout de suite, ma cocotte. Moi, je te le dis, tu vas prendre une douche froide, ça va te calmer. Ouais, toujours en colère, hein. Mais parce que je t'avais demandé de regarder la télé, en fait, meuf. Bon, bah écoute, ouais, voilà, va faire tes histoires, là. Allez, là, je suis une adolescente, hein, je suis rebelle, je fais pas bien, ouais, hein, c'est trop dur, la vie. Du coup, on va la faire asponger un peu. Et ça va la calmer aussi. Ah, ah, alors là, c'est Gabriel, le petit frère hein, d'Anémone, voilà. Il craque pour Jérôme. Ah, bah écoute, go, vas-y, mon petit. Voilà, elle est plus énervée. C'est cool. Par contre, elle est à pas loin d'avoir le contrôle des émotions. Elle a la responsabilité, elle a la manière. Et j'ai quand même envie, vu que c'est un peu mon héritière et que ça, ce sera plus facile, qu'elle ait le contrôle des émotions. Donc, elle va aller courir pour se vider l'esprit. Ça lui fera du bien. Pendant ce temps-là, Anémone prépare le gâteau d'anniversaire pour notre jolie Daphné. Et voilà, elle a le contrôle des émotions. C'est good. Et c'est parti. On va inviter les amis maintenant. Allez, c'est la fête. Oh là là, Célia. Ça va pas du tout, ta tenue est dégueulasse, ma cocotte. Et si tu veux te manger un truc, t'as raison. Allez, installez-vous. Les invités vont arriver, il y a du monde. Ouais, Gabriel, Doronique. Doronique a mis sa pelure d'hiver. Ouais, il est beau gosse, hein, mais il est mal fringué. Guillaume. Et puis, tout le monde. Ah, il y a Amélie. Du coup, elle est dispo. Amélie, je vous rappelle, c'est la femme de Alexandre, le fils aîné de Antonin. Voilà, bah, le petit couple. Voilà, voilà. Ils ont l'air ravis d'être là, d'ailleurs. Il y a même Valérian qui est bien, bien là, est venu. Super. Alors, déjà, est-ce qu'elle clignote? Oui, elle clignote. Bleuet revient. Yes. Coucou, Bleuet. Tout le monde est là. Toute la maison, toute la famille. Il y a tout le monde. Ça y est, c'est l'anniversaire de Daphné. Elle souffle ses bougies, prête à dévorer et découvrir la vie avec Valérian et ses petites familles. On est heureux pour elle. Daphné a vieilli, donc elle était perfectionniste, adore la nature. Son prochain trait sera, j'espère que ça ne sera pas le même que Valérian, sinon je suis obligée de tout recommencer. Mais en vrai, je ne le ferai pas. 1, 2, 3... Snob! Super! Ça va être sympa, ça risque d'être sympathique. Pour son aspiration, vous savez, elle doit être aussi au hasard. Et donc, je vais aller sur le site pour qu'elle me sélectionne, ben, un truc au hasard. J'ai bugué en fait, je me disais, mais attendez, c'était pas une aspiration adolescente qu'elle avait, c'était une vraie aspiration. Et je sais pas pourquoi elle a sauté. Donc, c'est l'aspiration paix intérieure hein, qu'on avait déjà tirée au sort avec l'abonnement au spa. Parce que ça suivait complètement la vie que sa mère avait menée et comme ça l'inspirait, ben voilà, c'était son but dans la vie. Bon, bah du coup, perfectionniste, adore la nature et snob. Et ben voilà, et elle a obtenu son diplôme. GG ma belle, tu es magnifique. Il ouais, y en a, ils ont pas attendu, ils ont déjà tapé dans le gâteau, hein, Alexandre, là, on te voit. Hein. Ah là là, les grosses gueules, j'en peux plus de ces Sims. Ah, trop d'émotion pour Célia. Bon, c'est vrai qu'il est déjà 1h30 du matin, ça se fait pas de finir des soirées aussi tard. On va couper court, on va laisser les gens rentrer chez eux, il y en a qui sont bon, pas bien, n'est-ce pas Bleuet? Bleuet qui doit aller aux toilettes. Allez, vas-y. Et bon, bah lui, il est pas encore jeune adulte, mais c'est pas grave. On l'attend patiemment et on commencera notre vie avec lui, évidemment. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Merci d'être passé. On se reverra, hein? Les baptêmes, tout ça, les anniversaires des gosses. Allez, ciao! Et voilà, Daphné est déjà prête à s'engager dans la vie, à déménager et commencer sa carrière, sa vie.
avec Valérian ? Pas tout de suite alors. En attendant, moi je vous lis le speech de la génération 2. Contrairement à ses parents, le premier amour de votre Sims héritier sera le grand amour, celui avec lequel on se voit toute sa vie. Enfin, on l'espère. Par contre, il faudra lui trouver un Sims 100% différent de lui. À commencer par la couleur de sa peau, de ses yeux, de ses cheveux, si possible de traits de visage et surtout, aucun trait de caractère en commun. Apprenez à le connaître avant de vous engager. Et bizarrement, Valérian coche toutes ses cases. Et en plus de ça, il est beau gosse, vous ne trouvez pas ? Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures de Destiny et de Daphné pour cette saison 2 qui commencera officiellement. Et le mot de la fin sera radis. Vous fais des bisous, à très bientôt. Ciao, ciao.